Yon week-end rempli avec match football, bien là, résumé week-end là, gagné équipe Barcelone là, qui, ouais, y a bien comporté yo dans le championnat, mais qui gagné une mauvaise nouvelle pour effectif yo, hein, qui, ouais, yo perdit Marc-André Ter Stegen, monsieur qui capable, absent, juste, quand, mois d'avril, qui a, vini là, monsieur là, qui est subi, yon déchirure du tendon rotulien li, monsieur qui capable absent vraiment yon gros coup pour équipe FC et Barcelona qui ouais nan en premier sorti yo en Ligue des Champions d'après tomber bien et au préalable plusieurs matchs pour jouer sans et Marc-André Ter Stegen qui ouais équipe s'il a préalable obligé eh bien, et mettez pour aller sur Inaki et Peña. C'est Michoac qui va gagner et contrôle et cage équipe et Barcelona. On a rentré dans le résultat qui a gagné dans le week-end là, dans Liga, équipe Real Valladolid là, 0-0 contre Real Sociedad, Osasuna bat Las Palmas 2-1, Valencia, vraiment, et Valencia qui font coup, qui bat 2-0 équipe et Girona, Real Madrid est malmené, pulvérisé. Eh bien, pilonné équipe espagnole de Barcelona par, eh bien, 4 goals à 1 qui, ouais, tout goal ça y est, pral marqué en seconde et période qui, ouais, équipe espagnole de Barcelona t'a mené sur équipe Real. Yon gen goal à 0 après yon bout de 2 et Thibaut Courtois, eh bien, après des changements, Vinicius Junior t'a pral monté dans le match qui va changer physionomie match équipe Barcelona Real là, excusez. 4-1 avec Dani Carvajal, Rodrigo, Vinicius Junior et pourquoi pas Mbappé qui va le marquer sous penalty, c'est comme ça, un certain pied. Il y a l'équipe Barcelona lui-même en dimanche qui t'a pris voir et ou encore qui est en déplacement qu'à l'équipe Villarreal, un match qui finit 5-1 en faveur de Barcelone avec un doublé de Robert Lewandowski et pourquoi pas Rafinha et Gueye et Touré. Et monsieur là qui marqué ses 5 goals ça yo qui marqué et pas 3 joueurs pour équipe et Barcelona le dans même match ça yo d'après elle perdit yon et gardien tant que Marc-André Ter Stegen hier Rayo Vallecano lui-même et en dimanche après-midi d'après elle tenu en échec équipe Atlético de Madrid là yon goal et Porto qui bail yon classement côté équipe Barcelona gagné 18 points 6 matchs, 6 victoires, Real, la deuxième position avec 14 points, Athletic Bilbao. Et vraiment, qui bat, dans le week-end ça, gagné 13 points, Atlético de Madrid a gagné 12 points, et gagné équipe, et Villarreal, il y a 11 petits points, et fanatique, et football. En aller, dans la Bundesliga, après le match, l'équipe Bayern de Munich l'a crasé, humilié, pulvérisé, équipe, Werder de Bremen, 5 goals à 0, Union de Berlin, bat Hoffenheim 2-1, Bochum fait match nul contre équipe, eh bien, Esquielin et gagné Eintracht Francfort qui bat 2-0, équipe Mönchengladbach, et Bayer Leverkusen, non match fou, bat Wolfsburg et 4 goals à 3, Stuttgart corrigé, équipe Borussia Dortmund, par 5 goals à 1, qui vient gagner et Leipzig qui part bien démarrer saison ça, qui ouais, yo fait un match 0-0 contre équipe Saint-Pauli. Classement et comment lui-même est lié, c'est équipe Bayern Dominique là. Mené tête classement ça avec 12 points, 4 matchs, 4 victoires. Bayer Leverkusen gagné 9 points et Fribourg 9 points et Eintracht Francfort 9 points et Leipzig qui fait mes top 5 là avec 8 petits points. On va continuer à faire balade européen. Nous allons aller dans le championnat d'Italie. Aujourd'hui, on a quitté un choc. Dans le week-end, l'équipe Inter de Milan, après ce fois, l'équipe Milan, c'est un match qui vraiment finit sur un score 2-1 en faveur et équipe et Milan et Asian, et bien en derby ça qui ouais Milan gagné et premier match on par contre pour match retour on commence à les mêmes la pied il y a Roma qui corrigé Udinese 3-0 Monza tombé contre Bologne 2-1 et gagné Fiorentina qui bat 2-1 équipe Lazio et Juventus
Fukuoka stat nan championnat sa fè match 0-0 kont Napoli. Vraiment c'est comme ça, ça est nan championnat italien. Nan côté classement, c'est équipe Torino qui gagne 11 points, Napoli 10 points, 3e Udinese 10 points, Juventus 9 points, Empoli 9 points gagné et Inter ak Milan nou jwenn nou nan 6e ak 7e place classement qui donc après 5 journées bien équipe qui gagne forte possibilité pour le champion yo pas ni nan dernier et ni nan premier ni nan deuxième place et classement c'est là n'a pas continué et fait et balade là cette fois-ci nous allons en Angleterre. En Angleterre nous connaissons gagné une nouvelle journée pratique football l'équipe Liverpool l'a crasé bonnement 3-0 sauf quand on fait un goal pour tout contre équipe Ipswich Town. Il y a Tottenham Hotspur qui bat Brentford de 3-1, Crystal Palace et fait match nul et la qualif contre Manchester United. Yon Manchester United figue mi-raisin vraiment qui beaucoup stat Aston Villa bat et Wolverhampton est 3-1 et gagné Brentford qui fait 2-2 contre Nottingham Forest. Match choc jeudi et ou encore pour week-end là c'est Manchester City qui vraiment fait un match nul contre Arsenal. Yon Arsenal qui ouais premier mi-temps t'as pas le fini un goal partout et Arsenal t'as pas le point carton rouge. Je parlais bien des trop ça. Eh bien, monsieur, t'as pas le sorti dans match. Deuxième mi-temps, Arsenal va jouer une ressource à tout yap. Et yap joué en infériorité numérique. T'as pas le marqué deuxième goal. En fin de match, t'as pas l'arrivée égalisé et match et c'est là fini 2-2 et que Manchester City a sauvé Milan et Lacayo et gagné et Alan vraiment Alan qui a fait un commencement saison tête chargée les messieurs là. Et vraiment, déjà joué et 4 matchs, si je ne me trompe pas, et 4 matchs dans le championnat, ça, donc 5 matchs, excusez-le, déjà marqué 10 goals côté Monsieur Alain Veni, un joueur qui est plus rapide qui marquait 100 goals dans le championnat. Monsieur Alain a besoin seulement 105 matchs pour marquer et 100 buts avec l'équipe Manchester et City. En parlant des classements, c'est l'équipe City qui a mené le classement avec 13 points pour 5 journées. Liverpool 12 points, Aston Villa 12 points, Arsenal 11 points, 4e, 5e, c'est l'équipe Chelsea avec 10 et petits points. C'est comme ça y est dans le championnat en Europe. Bien Rafinha, monsieur Antenna Mikou la presse après doublé li ailleurs contre l'équipe Villarreal. Monsieur a fait qu'on est papa et menti. Depuis petit, j'ai toujours aimé l'équipe Barcelona. Et bien, j'ai grandi pendant que j'ai regardé jouer Barcelona. Et c'est un honneur pour me jouer pour l'équipe. Et c'est là, je dis, c'est une déclaration internationale brésilienne. On a parlé là, et tout simplement, de Rafinha. Vraiment, nous sommes contents et pour nous déporter et résumer le week-end là pour nous. On a croisé pour l'autre sortie. Bonsoir et bye bye tout le monde.